80, 450. Elle a été pénalisée, hein, vous le disiez. Exactement. C'est pas possible de faire des petites erreurs de pointe. Où, là, il faut être au top, quoi. Et on enchaîne rapidement. Quatrième concurrente, Ryopim Ngaperapong, la Thaïlandaise. Ryopim est une gymnaste rythmique. Donc les gymnastiques avec le ballon, ruban, etc. Et elle s'est reconvertie à l'aérobic il y a 5 ans de ça. Et regardez le résultat. Voilà. Très dynamique, très jolie, de grandes amplitudes. Vous allez voir des éléments impressionnants de souplesse. Très beau sourire, très belle présentation. C'est important, on l'a dit, tout compte. Hein. Il faut que ça ait l'air facile. Voilà, exactement, c'est ça. Comme si on faisait ça le matin au réveil après le ménage, quoi. Bien sûr. Enfin, ou avant le ménage. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Sans problème. Essayez de reproduire ça, vous allez voir. Ces jeunes femmes tiennent 1 minute 30. Vous allez tenir 20 secondes. Et puis, c'est fini. Et toujours, vous le disiez, hein, de beaux mouvements, une belle amplitude. Oui. Très précise dans les gestes, dans les mouvements. La présentation est très, très bien tenue. Là, vous voyez un élément de GR. En tour en I, I vertical, très bien réalisé. Alors la partie chorégraphique là, avec maintenant les deux tours pris dans la main et le final. Allez, deux tours pris dans la main et le final très très bien contrôlé. Ouais. Et ça compte pour Ryopim Ngaperapong, la Thaïlandaise. Alors le niveau DIF est un peu inférieur à la chinoise et à Angela, la néo-zélandaise. Je suppose qu'elle pourra quand même passer devant la bulgare parce que en exécution c'était pas mal du tout. Vous êtes bien difficile, hein. Ah, Night Expert. Ah oui, c'est ça, voilà. Moi, je les trouve toutes parfaites, mais... Mais moi aussi. Non, pas bon. En tout cas, on revoit effectivement ce que vous disiez avec l'amplitude chez cette jeune femme. Elle aussi, c'est comme la néo-zélandaise Angela McMillan. C'est vraiment une pile, hein. Oui, c'est... Vous savez, pour pratiquer l'aérobic, il faut avoir des qualités d'explosivité extraordinaires. Sinon, on fait de la gym douce. Hein. Oui, c'est vrai. Hein? Ryopim Ngaperapong qui donc attend sa note. Dans quelques instants, bien sûr, mesdames et messieurs, l'affichage du score de la suite de cette finale. 20-200 pour la Thaïlandaise. Bon, c'est derrière la Bulgare. Ouais. Ça vous semblait mieux? C'est peut-être la...